Hello, 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 welcome back. Bienvenue encore une fois parce que nous avons une série de plusieurs vidéos côté n'a parlé de topical English words qui c'est mots qui plus utilisés que mots yo parler plus de yo dans news, dans santé, etc. Donc, now we are talking about state of disease. Dans vidéo ça nous va parler de qui j'ai maladie yo yé. Est-ce que maladie a li sérieux, est-ce que maladie a li on maladie qui mortelle, etc. C'est ça qu'on pourra joindre, maladie incurable, c'est ça qu'on pourra joindre dans vidéo ça. Pas oublier pour subscribe kounia, partager vidéo ça avec Zamion, aller sur Facebook, like page moi qui c'est Teacher Daniel Aneus sur Facebook et Teacher Dukene Joseph sur Facebook. Pas oublier abonner avec channel noir sur YouTube là qui c'est Anglen tout partout. N'a venir pour venir présenter une vidéo à préparer. Gang 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 gang, you back and I am back. Est-ce que déjà prêt? In this video, on va apprendre comment pour dire une maladie mortelle, une maladie incurable, maladie ça n'est pas trop difficile, trop exagéré. Maladie ça, m'pas caché d'eau, une méchante maladie liée. Eh bien c'est ensemble de mots ça qu'on va apprendre. Just to describe a disease. Describe a sickness pour décrire une maladie. Let's get started. N'a commencé là. Comment vous dit maladie incurable en anglais? You say that incurable. You see how it is written? Ouais, j'en l'écris. Incurable disease. I can say an incurable disease is a disease that is not able to be cured. Your maladie. Incurable disease, c'est une maladie incurable, une maladie qui n'est pas capable de guérir. Like AIDS, c'est un coup sida. AIDS is an incurable disease. Let me get an example just to make you understand. Bon, pour exemple, pour me faire comprendre. For example, Parkinson's disease is a debilitating and incurable disease of nervous system. Moi, je dis que maladie Parkinson's, c'est une maladie, when I'm talking about debilitating, debilitating makes you weak. Logon, l'aime parler de debilitating, c'est ça qui fait faible. Like a debilitating disease, or disease that make you weak. You feel weak. Une maladie qui fait rend nous faible. Like Parkinson's disease, son maladie qui rend moun faible et son maladie incurable qui attaque système nerveux moun. Ok? Système nerveux. Soit pas les français, j'en veux. Ah, I don't know. Ok, the second one, c'est n'a parlé de gens maladiés, des maladies qui dangereux, ok? Donc, des maladies qui pas trop dangereux, like a minor disease. You say that this disease is not too severe. Ou pas dit maladie, ça pas trop sévère, maladie ça pas trop sérieux. Now you say a minor disease, like a cough, like a cold, yon grippe. Yon wim, ou dis-moi si yon tous, ça c'est minor disease. Minor disease. You say? Ouais, j'en peux dire, c'est minor. 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 For example, parce que toujours, ben, un exemple pour nous capables bien comprendre. He suffered a succession of minor illnesses. He suffered a succession of minor illnesses. Li te souffri plusieurs maladies à la fois. M'interpréter comme ça en créole, mais juste pour dire maladie ça, c'est des maladies qui pas trop exagérées, trop dangereux. Succession, you when I say succession after and after, after that you find another, after that you find another. This is like a collection of disease. Good. L'été souffrit de plusieurs maladies à la fois ou bien maladie une après l'autre qu'elle te gagne. Minor, yo pas trop dangereux. And after that, maladie capable tuer moun, likely to cause death. You say that in English, a life-threatening disease. A life-threatening disease. Yon maladie mortelle. Yeah. You can say coronavirus is a life-threatening disease. Maladie corona son maladie mortelle. Li capable tuer ou tout. Mais c'est pas de pou gen l'ouab mourir, non? Essayez de comprendre. For instance, doctors say that his illness isn't life-threatening. Docteur dit que maladie là li pas une maladie mortelle, c'est pas une maladie katouye moun. OK? Maladie ça pas maladie mortelle.
par exemple, si m'gen un petit simple tête fait mal, ça pas ka touye. M'a vinn OK, I can be tired. M capable fatigué qui fait m'gen tête fait mal là. Li pa un life threatening disease, li pa un maladie mortelle. Good, wa bien après là, wa bien passé là. Good. Une maladie qui très dangereux. Une maladie très dangereux pour dire une maladie ça mauvais maladie oui. Là on dit mauvais maladie, c'est pas dans le sens pour dire les maladies à bon maladie, pas maladie par contre bon. C'est juste pour dire pour gens maladie en hein, OK, et ta maladie mette moun là. A fatal disease causing death quite quickly, capable tout yo rapide. Ou dit ça son fatal disease. Ma dit fatal lo. On dit fatal. A fatal disease. Good. Ma bad exemple parce que n'a pas prendre avec exemple. She developed a fatal illness. For instance, she developed a fatal illness. Li développé yon maladie dangereux, une maladie nadi fatal sin da la gueule comme ça. She developed a fatal illness. Li fon mauvais maladie. Ah, moun sa fon gros maladie ou fè la, oui. The last words. Dernier mot yo, like we have serious. Serious means sérieux. Like you can have a serious disease or an illness, or you can say severe. Serious, severe. L'âme dit serious, qui signifie sérieux, et l'âme dit severe. Il est prononcé comme severe. Severe means grave. Lorsque mon nom très très grave, like you have an illness, you're suffering from a sickness or from a disease, and this disease can be severe. Ça capable grave, li capable très sérieux sou. Donc, let me give you a sentence, bon phrase. His illness is more severe than the doctor first thought. His illness is more severe than the doctor's first thought. Ça veut dire que maladie la plus grave que Jean docteur yo te pensé auparavant. Donc c'est ensemble de vocabulaire ça yo state of disease Jean que ou yé Jean maladie yé Jean que maladie ou yé sou. OK? Ah bien maladie capable minor, capable severe, li capable fatal, etc. Thank you for watching the video. Merci parce que vous regardez vidéo jusqu'à la fin et partagez vidéo parce que n'a toujours là pour nous porter de nouvelles vidéos pour partager avec tous les amis et faire vous abonner avec channel là. Bye bye.